Mais là où tu es utile pour Dieu. Travaille pour lui, dans le témoignage, dans les visites, à travers des SMS, peut-être financièrement, je ne sais pas comment tu le fais. Mais tu es un chrétien et un chrétien se reconnaît même dans le désert, même dans la famine, même dans le trouble. Ce jeune garçon ne s'est pas inquiété. Tout ce qu'il avait, il l'a donné. Tout ce que tu as, donne-le pour Dieu. Parce que Christ le rendra, eh bien, beaucoup plus. Il a donné 5 pains et 2 poissons. Il a récupéré 12 paniers. Je ne sais pas ce que tu as, mais ne le garde pas simplement pour toi. Donne-le, mets-le entre les mains de Jésus. Parce qu'il a pour toi en abondance, pour tous les jours de l'année, pour tous les mois de l'année. Il a dit, ne crains rien, ne te promets pas de regard inquiet. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te soutiens de ma droite triomphante. Je voudrais t'encourager avec ces paroles. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu place comme il veut. Chaque arbre qui sont placés sur cette terre, c'est Dieu qui les a placés. Dieu place, Dieu remplace, Dieu déplace. Et Dieu t'a placé là où tu es. M'adresse à toi, ma sœur. Dieu t'a placé. Dieu t'a placé peut-être autour des gens où tu ne voulais pas. Dans une situation qui est pour toi impossible. Dieu t'a placé. Serviteur de Dieu, candidat, diacre, étudiant, engagé, Dieu t'a placé. Chrétien, chrétienne, c'est les mots que Dieu met sur mon cœur. Dieu t'a placé. Tu es utile pour Dieu. Tu as du pain entre tes mains. À travers ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que je sais que toutes ces personnes qui sont en train de fermer les yeux et de prier, tu les rends utiles. Si certains se sont sentis inutiles à travers ces mamans, donne-leur la force de préparer leur pain. À travers, eh bien, la lecture, la prière, la mise à part, l'activité ainsi que l'intimité, donne-leur à préparer leur pain. Bénis les serviteurs, les responsables, tous ceux qui sont dans ce groupe où cette vidéo sera envoyée. Touche les cœurs, visite les vies, donne de la force, le courage. Tu es celui où quand le pain est préparé, la famine disparaît, le trouble disparaît, l'inquiétude disparaît. Seigneur, nous avons du pain entre nos mains. Nous voulons que ces jours mauvais puissent s'arrêter, disparaissent. Tu nous présentes l'herbe verte, tu nous présentes, eh bien, ces mamans passées avec toi. Bénis toutes ces personnes qui sont en train de voir agir dans leur cœur, Débla. Donne la force, Débla. Apporte la paix, la bénédiction au nom puissant de Jésus. Merci. Parce que tu es le pain descendu du ciel, tu es descendu pour nous, tu es descendu dans nos cœurs. Merci Jésus, que ton nom soit loué, béni et glorifié. Merci pour tout. Merci mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Église du plan de grâce, tu es utile pour Dieu. Dieu t'a choisi. Que Dieu vous bénisse.